Playing. J'aimerais bien que ça dise playing Astérix, si vous voulez. Astérix. Astérix. Voilà. Astérix Obélix. Astérix. Un speedrun très très court. Donc on va voir ce que c'est pas, ça va donner. C'est méga fort pour vous. Vous êtes en train de devenir sourd. J'avoue qu'en te juger une licence d'une série qui est si différente que ça d'un jeu à l'autre, c'est chaud. Allez! Titati. On va jouer en français. Obélix a disparu! Option. Niveau facile. Fin. Jeu. Acte 1, la goule. Je suis dans la goule. Je donne des petits coups de poing aux sangliers. Je les transforme en rôtis. Je peux marcher et taper, et c'est tout. Et je peux taper pour avoir des étoiles. Titala, titala, je suis très lent. Meurs. Meurs. Paf. Un Romain. Paf. Quel jeu de l'angoisse. Oh, de la potion magique. Une clé. Oh. C'est biclé. Biclé. Oui. Oh, de la potion magique. La potion magique, ça tu t'es quand même vulnérable au pic. Faut le savoir. Une amphore. Oh, on peut monter sur le dos des sangliers. Nouvelle musique. J'ai plus de temps. Le temps. Ah, il est bon jeu Infogrames. Là, les deux jeux sont des jeux Infogrames, mais c'est plutôt des jeux que je respecte. Titatari, titari. Là, il y a de la vie. De la vie. Je vais crever du cul. Oui, oui. On recommence du début. Bon, on va moins prendre son temps. Titari, titari. Titatati, tari, 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 tati. Titari, on s'en fout, on est invulnérable, on s'en fout, on se fout complètement de tout. On suit un gland. Je tue un sanglier et un romain. Niveau infini. Tu le connais cet Astérix? C'est un jeu qui a l'air d'être speedrunné et qui a pas l'air d'être si mal, honnêtement. Je suis pas très inquiet. Tita 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 tita. Après, je devrais peut-être être inquiet. Tita tita tita. Tita 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 tita. C'est le premier Astérix sur NES, quoi. Je sais pas si c'est une vie, ça, mais... Oh! Oh, je m'attendais pas à ce que ça me bloque comme ça. Bas plus...
bas plus saut pour traverser les plateformes, ça devrait être obligatoire. Tita 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 tita. Oh, la potion magique. Je m'en fous des bonus. Le gland. Ça, c'est un ennemi qui arrive une fois, enfin, même pas un soldat en moins, qui se cache une fois dans... Il n'y a même pas beaucoup d'ennemis dans Asterix et Obélix. Il y a plutôt des antagonistes, mais... Tita, 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 tita. Du score. Acte 1, 3, la goule. Tita, tita, tita. Ah, c'est un trou. C'est dans le premier? Non, c'est dans le combat des chefs. Non, c'est pas dans le combat. C'est dans le combat des chefs qui font des potions et qui rigolent. C'est dans lequel qui font des poses, qui font le concours. Si, c'est ça. C'est le combat des chefs. Ouais, c'est dans le combat des chefs. Tita tita. C'est dans le combat des chefs. Il y a Obélix qui lance un qui écrabouille Panoramix et du coup ils deviennent bourrés et ils font des concours de potions. Ils sont complètement défoncés. Panoramix et l'autre druide. C'est quoi ce truc? Et du coup... le coup du menhir, voilà. C'est dans le coup du menhir, c'est pas dans le combat des chefs. Ah, il me fait chier ce truc. C'est une catapulte, hein. Mini catapulte. Ok. Ça arrive plusieurs fois qu'il y a un... Non, c'est combat des chefs, il me semble. Le coup du menhir, c'est pas une BD, c'est un dessin animé. Le devin, ça arrive pas. Je crois pas. Putain, il va falloir que je m'achète toute la collection des Astérix pour être sûr. C'est un jeunesse, salut confetti comme ça. Pourquoi il y a des aigles SPQR là qui m'attaquent? Qu'est-ce que c'est que ce boss? C'est Donkey Kong mélangé à... Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut monter dessus? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais jamais je monte sur ces tonneaux, moi! Je vais mourir au timer. Putain, ça va être impossible. Si, ça a l'air d'être le gars de la vigie des pirates, ouais, mais... C'était un boss qui se fait one shot. L'aile aussi. Ah, mais dans quel album d'Astérix il y a des bonhommes de neige avec des écharpes noires qui envoient des boules de neige? Ça y est, ça s'arrête, quoi. Le jeu abandonne au deuxième monde. Mais pourquoi si vite? Le jeu, il abandonne direct. Les mecs, ils se sont pas dit, vas-y, on garde le lore d'Astérix pendant deux mondes. Ils ont fait un monde, ils ont tenu un monde. J'ai plus qu'un crédit, putain. T'as un seul continu. Il y a peut-être moyen de gagner des continus, tu vas me dire, en ramassant toutes ces conneries de partout là. Oh là là, les continus limités, c'est une plaie. On l'a dit et redit. Assez fidèle comme. On va pas farmer tous les A pour trouver des continus, quoi. C'est chiant.
Saute! Oui, mais ça irait si le jeu était marrant, mais là le jeu est un peu chiant quand même. Bon, par contre, j'imagine quand on connaît le speedrun, ça doit aller. C'est un petit jeu de plateforme. La maniabilité est correcte, on se cogne dans le... Oh. Non mais arrêtez avec l'obstination, c'est le jeu infogramme. Il y a plein de jeux bien infogrammes. C'est pas parce que le joueur du grenier a obsédé là-dessus. Press start. Et on recommence du début. Option. Facile. Ok. Non mais le joueur du grenier a fait l'obsession. Mais en fait le problème c'est que le joueur du grenier avait besoin. Comme The Angry Video Game Nerd. D'un studio sur, qui fasse un petit peu private joke, tu vois. Mais comme LGN a pas fait de jeu qui a marqué les Français, et que il a pas pu prendre LGN, du coup... Et les jeux LGN, pour le coup, sont vraiment merdiques, hein, donc c'était justifiable. Mais les jeux Infogrames, c'est des jeux durs, mais c'est pas des jeux mauvais, c'est des jeux mal équilibrés, en fait. Mais par exemple, ça, c'est plutôt un bon jeu, en fait. Les jeux Astérix et Obélix, moi, je les trouve bien. Hein. Honnêtement, l'autre Astérix et Obélix sur Super NES, si c'est le même, je le finissais. Alors, par contre, je me rappelle qu'il est méga long. Du coup, on va peut-être pas le finir. Et je me rappelle que les boss sont chiants. Mais sinon, ça va, quoi. Je me rappelle que je connaissais tous les endroits où il y avait des vies et tout. Bon, c'est chiant, ça. Ah, je savais pas que c'était juste une boîte de production. Non, mais on c'est pas contre toi, Nitzed. T'inquiète pas. C'est contre le monde entier. Je suis en colère contre le monde entier. Ah ouais, là, du coup, on peut monter là-dessus pour aller chercher ça. Pouette. Combien il faut d'étoiles, vous croyez? Je me rappelle que dans Astérix Obélix, l'autre aussi, il y a un système d'étoiles, je ne me rappelle plus à quoi il sert. Je me rappelle que dans l'autre, il y a un système de mot de passe, par contre, ça c'est sûr. Ce système de saut qui est mou du cul. Le problème c'est que des jeux NES, il y en a plein quoi. Du coup, pourquoi s'obstiner sur celui-là quand on pourrait avoir à peu près n'importe quel autre jeu NES qui ressemble. Bon, c'est rigolo parce que c'est Astérix, mais à part ça. Ce jeu n'a pas beaucoup d'arguments, on va dire. Par contre, on gagne plein de vies en ramassant toutes les étoiles. Une en force, c'est 10 étoiles. Et toutes les 50 étoiles, on a une vie. Ok. Du coup, là, on a déjà 7 vies. Meurs. Merci. Mm-hmm.
Il voulait sortir un temps précis et... Il n'est plus jamais touché au jeu. Je peux comprendre. Tita tita. Tita 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 da. Oui, 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 oui. On va sans doute faire une safe state au début du monde. Hein. Et du monde 2. Et par contre, parce que... C'est pas que j'en ai déjà marre, mais c'est que je pense que c'est de la merde. La clé, oui, la clé, on y va, la clé. Ah, petite save set. Oh! Pause! Pousse! Mais quel enfoiré! Une fois ça tombe, une fois ça tombe pas. On a déjà eu 8 vies quand même. Hein. Je comprends rien à ce que vous dites dans le chat, mais c'est pas un problème. Continuez. Divertissez-vous autant que vous me divertissez. Autant que je vous divertis, peut-être aussi. Même si là, on en prend plein la face. On va se péter la gueule. On va se péter la gueule. Péter la gueule. Toi, tu vas tellement crever. Voilà, prochaine boule de neige. Paf! En plus, ça dit paf. C'est marrant, ça. Paf. Oh, une clé. La clé. Ah. Il faut sauter par-dessus la clé. Putain, mais... Ça, c'est fait exprès. On sait que notre platforming, il est moisi. Niveau est infini. On a fait un niveau infini. Allez, c'est Mario. C'est Mario. C'est le 1-3. Paf. J'ai dit pouit! Pété! Titali tatin.
Vu la durée du jeu, en speedrun, honnêtement, doit pas y avoir des masses de monde. Ah, mais je peux me tromper. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était une gourde de... Mais c'est trop chiant les bonus pétables! C'est trop relou! C'est relou les bonus pétables! Vous le savez ça? Les bonus pétables c'est relou! Les bonus pétables c'est relou! Les bonus pétables, c'est relou. Titarita, titatitalita, titatitalitalitati. Là, y a un truc caché, obligé. C'était quoi? Il y avait un truc, on sait pas ce que c'est, ça a disparu, et je suis mort. Ah, c'était peut-être une vie, cela dit. Vie cachée dans un trou pour mourir, vie cachée dans un trou. Niveau du cul clan. Je sais pas si dire niveau du cul c'est pire ou pas en fait. Donc l'acte 1 c'était tout en Gaule. Par contre, l'acte 2, ils ont dit bon allez. C'est bon, c'est la Suisse et l'Espagne. Niveau du cul. Les piranhas. Niveau du cul. C'était le thème, on tombe, on meurt. Les lanciers, les lanceurs de pylônes. Si on meurt dans le niveau bonus, vous croyez qu'il se passe quoi? C'est la fin du niveau bonus, ok. Paf! On s'est bipaf. C'est double paf. C'est la mort. Dans le 2, c'est pas que la glace hein, qui saute. Là, je pense que ça va être une étoile, du coup. Ouais. Oh, mais je suis impatiente. Quel connard! Bipaf. Niveau du cul néiforme. Je suis baisé, je pense. À moins que ça repop. Ça repop pas. Quel connard!
Attention le pilum. On avance. On tue le Romain. Niveau les culs. Y'a pas de chanter dans la liste, non. C'est que des jeux que j'avais aussi. Et j'ai pas voulu dépenser trop d'argent, donc j'ai enlevé plein de jeux parce qu'ils coûtaient cher. Je sais pas pourquoi j'ai pas. En plus, j'ai lu The Pirate's Curse, je crois, maintenant que je réfléchis. Et... Il aurait pu être là. C'est un petit jeu du cul. Petit jeu du cul. Pourquoi les jeux de NES, il y a autant de jeux de NES avec ce problème-là de un saut qui est beaucoup, beaucoup plus dur d'un coup que tous les autres? Ah ! Oh, j'avais gagné un crédit ! Comment j'avais gagné un crédit ? Oh, les crédits sont trop gentils en plus ! On va faire une autre save state du coup, save state 2. Pour l'instant, on fait des save states, mais on les charge pas. Peut-être les lauriers, c'est des continents, en fait. Peut-être c'est des vies et des continents. Je sais pas comment on fait ça. Faut peut-être sauter avec un saut courbé. On peut pas tuer les pires, là. Ce putain de truc! Chier! Ma manette abandonne. Oui! J'aurais dû aller en haut, je pense qu'il y a un truc trop bien. Comment c'est dur d'y aller. Allez, chier. Putain, c'est la fin du niveau, quoi. Et oui, bonjour. Comment ça va, Mookie Banana? Il est trop bien notre boss design, Robert! Vas-y, remets le même! Tu dis quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il est tout nu! C'est un soldat tout nu! Avec de la musique typique. Ah! Égyptienne!
Combien vous croyez il y a de pyramides en Égypte? Les Égyptiens et les pyramides, ça doit être comme le Paris et la Tour Eiffel. Où que tu sois en Égypte, tu vois les putains de pyramides. Je pense que les Égyptiens, ils JPP des pyramides. C'est typiquement là l'Égypte, vous savez. C'est comme ça l'Égypte, oui, oui, l'Égypte. Il y a un serpent, il y a un pyramide et il y a une amphore, oui, oui. C'est ça l'Égypte. Attention, on court. On fait le saut. Oh. Il y a un truc qui a pété là. Encore ? Qu'est-ce qui pète ? Cette musique. Il y a un truc qui fait pan. Je sais pas si c'est dans la musique. Si c'est dans la musique. Pan, 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 pan. Pan. Oh! Attends, attends, attends. Laurier. Laurier les hardis. Acte 1, 3. Boum, boum. Pas le train de la mine! J'étais dans un niveau bonus en plus. Ah! Non! On a dit non! JPP! Putain! Pourquoi? Pourquoi tous les jeux, tous? Ah, pardon, pardon. Je m'énerve. Ouh, mes anxiolytiques. Ah! Excusez-moi, hein. C'est parti tout seul. Et maintenant, on est dans une pyramide, c'est ça? La musique elle pète la 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 pète la la pète pète la la pète pète la pète pète. C'est la fin du niveau, heureusement. Le vous sentez que le jeu il abandonne de plus en plus ou pas? On peut monter sur ces trucs, vous croyez? Je pense pas. Je sais pas ce que c'est, ces machins, ça m'angoisse un peu. Écoutez, c'est une vie, les vies, c'est sérieux dans ce jeu. Voilà. Un serpent, un petit serpent rose. Trop mignon, les petits serpents roses. Oui, là, là, oui. Les petits serpents roses. Oui, là, là, oui, là, là, oui. Ah, ta gueule. J'ai 9 vies. Oh! Oh! J'ai l'impression que ça boucle. Moi, vous mettez plusieurs fois comme ça le même obstacle. J'ai l'impression que ça boucle. Ah, mais il devient incontrôlable quand il a la potion magique. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça me pète sur la gueule. D'accord. On y va, on y va. Araignée, araignée. La vie. On a 10 vies. On a Divi, on va faire Divi. Un petit Divi. Oui. Ah, l'araignée, l'araignée, casse-toi. Merci.
Je suis dans la porte. C'est le même. Avec des vies. Ah non, c'est pas le même. Il y a moins de plateformes. Comment on fait? Ah mais oui, les barils, ils peuvent pas m'avoir. Ok, une vie. Mais quel boss tu... C'est le pire boss de l'histoire des boss, hein. Il faut commit un peu, oui, oui. Ah! Oh, il touche maintenant! Il fait du dégât! C'est pas grave. Il reste une vie. Ah, c'est juste un bonus, le boss. Pourquoi je me fais chier avec ce mec depuis le début? Mais c'est pas possible. Ah, cassez-vous tous. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Bon, moi, c'est pas dur. Oh, genre, Rome, c'est connu pour ses guêpes. Qu'est-ce qui vous fait penser aux à l'Égypte, les pyramides Qu'est-ce qui vous fait penser à Rome, les guêpes, je pense. Quel sketch ce jeu, putain. Rien ne fait plus Romain avec une espèce de musique pourrie aussi. Ah, baisse-toi contre les lances du cul. Mais le jeu, il a abandonné, putain. Les niveaux, ils étaient méga longs. Heureux le niveau de la mine. Bon. Les niveaux, ils étaient méga longs. Et les mecs, ils en avaient marre, là, à ce niveau-là. Ouais, il faut sauter. Ou je sais pas ce qu'il faut faire, en fait. Il faut se prendre une, je crois. Ça, c'est classique. Là, il faut tanker un... Il faut tanker un truc aussi. Il est incroyable ce jeu. Et pas dans le bon sens du terme. Il est improbable. Oh là là. Ouais, là c'est un hit. Hein. C'est volontaire ça. Là on s'en fout. Volontaire aussi. Damage boost. Paf. J'ai plus qu'un point de vie. Titin, tidali, 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 prends la clé. Titin, tidali, 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 tidali. Et c'est fini. Le jeu, il a abandonné. Il s'est arrêté. Vous croyez qu'on peut sauter sur les flamèches là, ou il faut sauter par-dessous comme je fais depuis tout à l'heure? Parce que peut-être qu'en fait on peut sauter là et que c'est de la connerie. C'est de la connerie. La musique elle veut rien dire. Mais le jeu au moins il devient facile. Hein. Là au moins il. Ça pose pas trop de problèmes. Ah, fuck. Là il faut prendre un hit je pense. Avant que tu. Voilà. Faut prendre un hit. Le jeu, il a des endroits de taxes. Bonjour, c'est le péage. Il faut prendre un hit ici. C'est de la connerie. C'est de la connerie. Et le compositeur aussi, il a abandonné. Tout le monde est parti en vacances. Ça, c'est les niveaux qui ont été designés pour les vacances de Noël. Il a tout donné au niveau de l'Egypte. Putain. Ah! Git.
ti. Il a tout donné au, à la musique de la clé en fait. Oh, j'ai une super idée pour les niveaux bonus, ça fera ta ti ta ti ti la ri ri. Ah. Oh. Ti la ri ru ti la ti ta ri ta ri ta ri ta ri ta ri ta ri. Oh, alors ça, ça c'est typique des jeux pourris. C'est les endroits déjà qui sont pareils. Non, c'est les vies à des endroits inattrapables où tu te suicides pour les prendre. Ça c'est 100% signé jeu pourri. C'est bon, c'est fini, c'est la fin, le boss. Mais c'est l'inverse des ennemis, c'est l'inverse des ennemis relous de Castlevania. Il tape 2 pixels devant lui. Mais il est touchable que 1 pixel derrière lui. Combien il a de points de vie? La course au DPS. Il est infaisable ce boss puisque je prends des dégâts avant de le toucher. Et pourquoi il s'avance dans le... dans le mur, ce connard. Dites-moi, monsieur le connard. Je comprends rien. Où est la hitbox? Quel pixel? Mais quoi? Mais ils ont... ça, c'est... Le level designer les a prévenus, mais quel pixel? Là, ce pixel-là. Là, je me fais pas toucher, je crois. C'est le safe spot! C'est le safe spot! Et voilà, bravo, j'ai retrouvé Obélix. J'ai fait beaucoup de save state, mais j'en ai pas utilisé, parce que, en 42 minutes, c'était nul. Voilà. Merci Ruben Gomez et Alberto González pour ces incroyables graphismes. Non, en vrai, le jeu est pas mal, hein, mais...